Bonsoir, rebonsoir frères et sœurs, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Et comme vous le savez, nous sommes, mes amis, décidés, n'est-ce pas, à défendre la vérité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et je lisais les évangiles, et notamment les actes des apôtres. Et je me disais à l'époque, pourquoi tant de combats avec les apôtres, pourquoi tant de choses et là, au fur et à mesure, on commence à réaliser, à comprendre et que les premiers chrétiens, mes amis, ils avaient véritablement pris position pour la vérité. Pas tous, mais un petit noyau quand même. Et Paul, Pierre, Jacques et Jean, tout ça, et ils avaient pris position pour la vérité. Voilà pourquoi ils ont été autant persécutés. Donc, et merci aussi à vous tous qui prenez position pour la vérité, pour la défendre, pas forcément en annonçant la parole ici et là, mais en la vivant véritablement, d'abord, dans un premier temps. Père, merci pour ta vérité qui nous a franchis. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons pour nos frères et sœurs. Que ta parole nous éclaire. En ton nom, Seigneur, nous prions, Dieu d'Israël, Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Abraham, papa, merci. Merci pour ta vérité, Seigneur Jésus-Christ. Merci, papa. Gloire à Jésus. Merci, Père. Amen. Voilà, on va faire une petite émission avec des questions-réponses, mais je tenais à dire aussi aux frères et sœurs d'Orléans que ce week-end, ce dimanche, nous serons à Orléans. Et alors les informations, je ne sais pas si on peut avoir, c'est possible d'avoir les informations. De toute façon, il y a le slide, hein, merci. Il y a le slide, donc une bande d'annonces, hein, donc une banderole sur TV de Vie et qui annonce justement ce programme à Orléans. Nous serons dans une salle à Orléans. Et merci en tout cas aux frères et sœurs d'Orléans qui sont mobilisés. Vous êtes nombreux en tout cas à aimer la vérité. Nous avons déjà des échos depuis qu'on a mis cette annonce. On l'a mis seulement aujourd'hui. J'ai déjà eu un frère d'Orléans qui m'a dit qu'il est, n'est-ce pas, les gens l'appellent, beaucoup de gens commencent à l'appeler, notamment des frères et sœurs de Bourges, hein, qui vont venir au programme. Donc vraiment, nous sommes étonnés, surpris, encouragés par l'engouement que le Seigneur suscite dans vos cœurs pour entendre la vérité. Et cet engouement, justement, suscite de la jalousie, de la colère, de la haine chez les faux chrétiens qui, mes amis, se rendent compte que leur Dieu n'est pas le Dieu qui agit. Et voilà pourquoi ils vont dire, comme ce monsieur de Lyon, il faut pas suivre les miracles, ce ne sont pas les miracles qui justifient le ministère de quelqu'un. Mais écoutez, je dirais, la parole est claire. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc oui, les miracles authentiques justifient que quelqu'un est appelé par le Seigneur. Oui, c'est biblique. Voilà. Donc juste pour éclairer encore les enfants de Dieu, nous sommes dans Luc chapitre 7. Voilà. Voilà. C'est dans la parole, mes amis. Que je sais pas, c'est pas moi qui provoque les miracles. Dieu fait les miracles lui-même. Et le premier grand miracle que le Seigneur opère, c'est la conversion des frères et sœurs. Donc vous pouvez pas dire que ce soit pas un miracle. Quelqu'un qui était un voleur, quelqu'un qui était homosexuel, quelqu'un qui était sorcier et qui abandonne le péché pour donner sa vie à Dieu, pour recevoir, pour accepter Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que ce soit pas un miracle. Vous ne pouvez pas dire que ce miracle-là n'authentifie pas l'appel de quelqu'un. Mais soit vous êtes sorcier, et j'ose le croire, ou soit vous êtes ignorant. Mais je pense plutôt que c'est la sorcellerie. Voilà, pour certains en tout cas, pour beaucoup, notamment ceux qui dirigent les églises. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire des miracles. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attaquer les miracles. Ils sont frustrés parce qu'ils prient, rien ne se passe. C'est comme ça, la jalousie, c'est comme les prophètes de Baal. Ils vont faire des incisions. Hein? Ils vont se faire des incisions. C'est ce que ces gens font aujourd'hui avec leurs ordinateurs. Eux-mêmes là, ils se font des incisions sans s'en rendre compte. Des incisions spirituelles. Et Baal ne répond toujours pas. Baal est en voyage, il est en vacances. Surtout, c'est l'été aujourd'hui, c'est compliqué. Tout le monde est parti, n'est-ce pas, en vacances. Et Baal le premier. Donc du coup, il n'y a plus rien. Voyez. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont attaquer comme les pharisiens. Ils vont dire, non, mais l'onction de Jésus, là, c'est la sorcellerie.
donne gloire à Dieu parce que ce monsieur c'est un sorcier. Le monsieur a dit, je sais pas si c'est un sorcier ou pas. Je sais seulement que j'étais aveugle, maintenant je vois. Hein, il faisait la manche devant le temple pendant des années. Aucun pharisien ne l'a guéri. Hein, aucun. Tout le monde se précipitait. Tous les pharisiens se précipitaient pour aller se retrouver devant leur chair, pour prêcher, pour prendre la dîme de gens, pour prendre des pigeons, des bœufs. Le gars était là avec sa maladie, avec sa cécité, tout ça, personne n'a pu le guérir. Le Seigneur vient avec une simple parole, le monsieur est guéri. Mais les pharisiens, ils étaient jaloux. Voilà, c'est l'histoire qui se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Voilà. C'est pour cela que nous disons, parler c'est bien, mais produire les œuvres, c'est mieux. Le Seigneur a dit, on aime la parole, frère, et on aime la parole. On aime la parole. Vous savez, je vous dis, vous avez affaire à un fou. Un fou ne réagit pas comme les gens s'attendraient à ce qu'il réagisse. Un fou, quand vous dites qu'il est malade, il continue à être fou. Moi, ma folie, c'est la folie de Jésus-Christ, la passion pour Jésus-Christ. C'est la folie de la croix. Vous voyez, c'est biblique, hein, c'est 1 Corinthiens 1:18. Ben, on est. Paul disait également, nous sommes fous, vous êtes honorés. Ben, vous voyez que c'est pas nouveau ce que je vous dis. Regardez dans Luc chapitre 7. Donc, ce dimanche, nous sommes à Orléans à partir de 13h. La réunion commence à 13h, mais on sera là plus tôt. Et voilà. Donc, toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. Donc, ce dimanche, on sera avec des frères et sœurs qui aiment la vérité à Orléans. Voilà. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 11. Voilà. Donc, 18, pardon. Donc, si quelqu'un peut le lire. Hein. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean fut informé. Jean était vrai prophète. Amen. Le problème, c'est que ces faux prophètes-là, ils ont des disciples. Mm-hmm. Donc, ce sont leurs disciples qui les informent de ce qui se passe avec les vrais chrétiens. Mm-hmm. Donc, ils sont à l'affût des news. Mm-hmm. Vous voyez, non? Ils disent aux gens de ne pas suivre TV de Vie, mais eux-mêmes, dans les toilettes, ils suivent. C'est pour ça, sur les tablettes, tout ça, c'est pour ça qu'ils disent à leurs ouailles, ne suivez pas. Parce qu'ils disent, s'ils suivent, ils vont découvrir la vérité. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Hein? Sous le soleil. Donc, vous voyez, Jean fut informé. C'est-à-dire, ses disciples sont allés le voir pour lui dire, oh maître! D'abord, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit quoi? Maître, celui que tu enseignais, celui dont tu nous as parlé, on l'a vu là-bas. Et tous l'ont suivi. C'est-à-dire, nous là, notre entreprise est en faillite. Les gens ne nous suivent plus. Parce que eux, ils suivaient Jean-Baptiste, parce qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir certainement, comme les apôtres, hein, beaucoup de choses. Ils se sont rendus compte que le vent de Jésus a dépouillé. Hein, le vent de Jésus a fait que Jean était diminué et Jésus était élevé. Ils ont dit, Jean, voilà la première information. Tous l'ont suivi. Jean dit quoi? Vous-même m'êtes témoin. Hein? Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé avant lui. Hein? Donc, l'ami de l'agneau, hein, de l'époux, est dans la joie. Ma joie est grande. Hein? Et là, lui dit quoi? Ils ont suivi Jésus-Christ. Amen. Les deux disciples de Jean ont suivi le Seigneur. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces hommes-là, ils ont des disciples. Eux-mêmes, ils s'informent. Ils s'enferment dans les coulisses, ils s'informent. Ils regardent nos vidéos du matin au soir pour chercher, comme les pharisiens, pour chercher des choses. Mes amis, alors Jean fut informé, et qu'est-ce qui va se passer? Il en appela deux, et les envoya vers Jésus pour lui dire. Donc ils envoient leurs disciples. Jean c'était pour s'informer, mais leurs disciples quand ils viennent c'est pour récupérer une BGC. Hein? Il n'y a rien de nouveau. J'en ai attrapé un la dernière fois. Je lui dis, toi, tu n'auras pas une BGC parce que tu as été envoyé. Et ça s'est avéré exact. C'est quand même terrible. C'est la guerre. Et nous voulons que le Seigneur soit glorifié. Amen. Parce que quand on dénonce Babylone, il faut s'apprêter, il faut s'attendre à des retours. Hein, bien sûr. Donc, et Jean est informé. Il dit, ben, il en a appelé deux, la Bible nous dit. Il les a envoyés pour dire quoi? Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Pourtant, Jean était cousin de Jésus-Christ. Bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, il a témoigné, voici l'agneau de Dieu. Il a témoigné, mais à un moment donné, il a commencé à douter. C'est humain. Quelqu'un va dire aujourd'hui, tu es de Dieu, demain, tu deviens sorcier. Ensuite, Dieu
il dit que tu n'es pas de Dieu. Dieu lui parle ensuite. Il vient, il dit que tu es de Dieu. Le lendemain, il dit en fait non. En fait, Dieu m'a dit, il n'est pas de Dieu. Donc, c'est quoi? Dieu dit, Dieu ne dit pas, Dieu... C'est comment? Embouteillage. Il y a un embouteillage quelque part. Il y a un bouchon quelque part. Hein? Je crois que quelque part, il y a des neurones qui ne fonctionnent plus. Où les démons sont rentrés. Là, il faut une délivrance. Parce qu'il n'y a plus... Il y a un double langage là. C'est la confusion. Ça s'appelle la confusion. C'est Babylone. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, Jean... envoie les gens auprès de son cousin. Donc, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de famille. Cousin ou pas, hein? Tu peux commencer à douter. Est-ce que c'est vraiment mon cousin, hein? Est-ce qu'il n'est pas d'une autre semence, hein? Je sais que même vous qui êtes ici là, parfois vous pouvez avoir des doutes, je ne sais pas, peut-être avant. Est-ce que c'est que le... Vous voyez, c'est comme ça là. Jean a eu un doute, il était perplexe, le pauvre. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Jésus-Christ agisse comme ça. C'est ça le problème. C'est que vous voulez que les gens que Dieu appelle agissent d'une certaine façon. Mmh. Mais non, mais nous n'allons pas suivre vos façons. Mmh. Ne suivez pas ma façon. Faites ce que Dieu vous dit. Mmh. Voyez le problème? Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Et étant venu à lui, il lui dit, Jean-Baptiste nous a envoyé auprès de toi pour te dire, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean était où? Jean était en prison. En prison. Ah donc, mes amis, Jean était en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ils arrivent auprès du Seigneur et disent, mais il nous a appelé, il nous a dit, est-ce que c'est toi qui dois venir ou il faut attendre un autre, quelqu'un d'autre? Allons voir d'abord ce que Jean a dit avant de dire ça. Parce que tout est dans la parole, mes amis. Les gens, ils veulent jouer avec la Bible. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 3. Est-ce que nous pouvons lire? À partir du verset 4. Matthieu 3, le verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la cognée est mise à la racine des arbres, c'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Oh, il commence à témoigner. Il dit, celui qui vient après moi, il est... Plus puissant que moi. Amen. Il le reconnaît. On continue. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il reconnaît que le Seigneur est tellement puissant que lui, Jean, n'était pas digne de délier ses souliers. Pourquoi les souliers particulièrement? Parce qu'à l'époque, les gens, vous savez, il y avait pas, les routes n'étaient pas svaltées, n'est-ce pas? Et les routes étaient sales. Il y avait de la poussière partout. Donc, délier le soulier, les courroies des souliers de quelqu'un, n'est-ce pas, était un signe d'humilité parce que les mains se salissaient avec la poussière. Et vous vous rendez compte? Et là, Jean reconnaît que malgré le fait que les pieds de Jésus-Christ, homme, pouvaient se salir, non par, parce qu'à cause de la poussière, attention, à cause de la poussière, Jean lui n'était même pas digne d'aller enlever ces poussières-là. Vous vous rendez compte comment Jean s'est rabaissé? Pour élever Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'homme qui n'a jamais péché. Amen. Vous vous rendez compte? Et quand on continue? Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il reconnaît que c'est lui qui a la mission de baptiser, c'est-à-dire de bâtir le corps de Christ, lui seul, la véritable Église. Parce que l'Église est née avec le baptême de l'Esprit. Vous voyez? Et Jean reconnaît cela. Nous sommes dans Jean, chapitre... Jean chapitre et Jean Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait avec force en lui disant, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens vers moi? Il ne voulait pas. Oui? Non, quelle humilité, quel homme humble. Mais regardez cet homme-là, une fois en prison. Une fois qu'il était dans les problèmes, une fois qu'il se retrouvait dans les attaques, c'est humain, hein, limite dépression,
Eh ben, comme nous tous, hein, on commence à douter de la personne ou des personnes sur qui tu as témoigné et qui n'ont pas été avec une femme d'autrui et pris l'argent de quelqu'un. Allons voir dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 19. Jean 1er, le verset 19. Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger et lui dire, « Toi qui es-tu » On lui envoie des gens pour lui dire, « Qui es-tu ?» Verset 20. Il confessa et ne le nia pas. Il confessa lui-même. Il ne va pas le nier, il ne va pas dire ce qu'il n'est pas. En fait, on a voulu savoir s'il était le Messie. On continue. Il déclara en disant, « Ce n'est pas moi qui suis le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » Jean reconnaît qu'il avait été mandaté par le Seigneur 800 ans avant Jésus-Christ. Esaïe, dans Esaïe 40, avait prophétisé l'avènement de Jean, l'œuvre de Jean. Jean reconnaît qu'il n'était qu'une voix pour préparer le chemin du Seigneur Yahweh, littéralement. Donc Jésus-Christ, parce que dans Esaïe 40, là-bas, il est question de Yahweh. Jean reconnaît que Jésus-Christ est Yahweh. Mais quand il s'est retrouvé en prison, Jean, à cause de la pression, Jean était devenu perplexe. Parce que dans sa tête, il croyait que Yeshua allait établir le royaume millénaire tout de suite et qu'il allait le libérer de la prison. Jean a vu que Jésus-Christ prêchait un message qui ne cadrait pas avec sa compréhension de l'évangile, de la mission du Mashiach. Alors, quand ses disciples lui disent, voilà ce que ce monsieur, voilà ce que l'homme dont tu as témoigné raconte, il les a appelés, il leur a dit, ben, allez le voir, posez-lui la question, es-tu celui qui devait venir? Ou il fallait attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que je n'ai pas raté ma mission? Est-ce que je ne me suis pas trompé de personne? C'est ce que beaucoup disent. Hier, ils t'ont critiqué. Aujourd'hui, ils disent Dieu leur a parlé. Demain, Dieu a changé. Tu es redevenu le diable qu'ils ont dénoncé hier. Alors maintenant, parce qu'ils sont, on comprend plus rien. Et Jean était perplexe. Et je crois qu'on a eu quelqu'un en ligne, Yann. Regardez la suite de Luc 7. Luc chapitre 7, donc la suite au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes. À l'heure même, j'aime la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus les gens parlent, plus au moment où ils parlent, c'est au moment où Dieu intervient. C'est du tac au tac. Hein? Tac au tac. Tac. Les Africains disent tic au tac. Alléluia. Amen. Donc, voyez, non, j'aime la précision de Dieu. Amen. C'est une précision chirurgicale. Il frappe là où il faut. Et les disciples de Jean viennent avec des questionnements. Eux-mêmes étant perplexes. Et on nous dit à l'heure même. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu commence d'abord par justifier l'appel de Yeshua par les miracles. C'est ça. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça. Vous voulez quoi? Vous n'êtes pas des gens baptisés. Seul Jean n'a pas fait des miracles. Ce n'était pas son temps, ce n'était pas son appel. Mais l'église ne prêche pas les miracles, l'église prêche Jésus-Christ. Mais c'est quoi un miracle? C'est quoi un prodige? Mais que quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui confesse ses péchés, mais c'est un miracle. C'est-à-dire, cette transformation-là ne peut être produite par l'homme. Donc c'est une œuvre divine. C'est ça un miracle. Donc dire que les miracles ne justifie pas un appel, c'est se mentir à soi-même, c'est parce que les gens sont jaloux, ils sont aigris, ils n'ont aucune goutte d'onction, ils sont frustrés. S'il y avait des distributeurs d'onction quelque part, hein, pour mettre des billets ou des pièces,
Mais je vous assure, ces gens couraient. Soit on lit la Bible, soit on ne lit pas la Bible. Je prêche à la télé, les gens chez eux, Dieu les guérit. Vous voulez qu'on fasse quoi? On prêche à la télé, les gens commencent à se gratter la tête en confessant leurs péchés chez eux. Des hommes qui disent à leurs femmes, chérie, on vous a trompé. Eux-mêmes chez eux, des femmes qui confessent leurs péchés, mes amis. Mais c'est ça que nous voulons voir. C'est pour cela que je dis, chrétiens, quittez les églises où il n'y a rien. Quittez. Là où il y a Dieu, ben, les choses se passent. Voilà. On ne peut pas nous prêcher autre chose, on ne va pas croire. Non, on refuse. Non, l'évangile, ce n'est pas seulement la dénonciation, dénoncer. L'évangile, ce n'est pas seulement, ce n'est pas s'asseoir sur son fauteuil et parler. Le Seigneur a dit, allez, il n'a pas dit, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Allez, assieds-toi. C'est ça l'évangile. Amen. Vous voulez provoquer l'onction que Dieu nous a confiée, ben on va se lever pour parler de la part du Seigneur. Il n'a pas dit asseyez-vous, il a dit allez. Nous allons ici et là, nous bougeons comme vous voyez, les frères et sœurs bougent partout. Ils sont dans les parcs, ils sont dans les maisons, ils sont dans les bâtiments, partout Dieu les envoie. C'est ça l'œuvre. Et là on part au Gabon pour votre information encore le 3 août. Nous sommes au Gabon pour 6 jours, nous sommes dans un stade là-bas là. Les informations seront sur TV de Vie bientôt, là, sur un stade. Pour les frères et sœurs là-bas, on dit non, cette fois-ci, on ne veut pas prendre le stade de basket, comme la dernière fois. Cette fois-ci, nous prenons un stade de foot. Amen. Nous voulons que l'évangile soit annoncé véritablement, frères et sœurs. Je vous dis, frère. Je vous dis. Donc, c'est ça. Le Seigneur a dit, allez, regardez. On va revenir sur Luc chapitre 7, mais allons voir dans Luc chapitre 8. Le Seigneur n'a pas dit, prenez votre ordinateur, restez devant à vie. Commencez à envoyer des boulets sur tout le monde. Commencez à envoyer des missiles sur tout le monde. Non, il faut qu'on voit aussi qui vous êtes. Ah oui. C'est pas biblique ça. C'est pas biblique. Ministère d'Internet. Voilà, ministère d'Internet, ça, c'est dans quelle Bible ça? C'est dans quelle Bible? Canon. Voilà, Jésus-Christ a guéri les aveugles. C'est écrit, non? Ah oui, il a dit, vous ferez plus que moi. Il n'a pas choisi qu'il a dit. Voilà. Soit on a la même Bible, soit vous avez le Coran, nous on a la Bible. Voilà. Voilà. Parce que Allah, il n'y a pas tout ça. Mais nous, Jésus, il y a tout ça. Amen. Voilà. Alléluia. Village en village, voilà. Ville en ville. Regardez Jésus, allez où? Est-ce qu'il était assis quelque part non. À vie? Non. À un moment donné, on le voit assis sur la montagne des Oliviers. C'était pour enseigner et non pour attaquer matin, midi, soir. Voyez? Il enseignait, il dénonçait les pharisiens et il enseignait, nous dit. Mais il marchait aussi. Ah, oui. Allons voir là où le Seigneur marchait. Or, il arriva. Luc chapitre 8, verset 1er. Or, il arriva après cela qu'il allait, le verbe aller ici dans le grec signifie aussi marcher. Il allait, comment? De ville en ville. De ville en ville. En ville. Il allait comment? De ville en ville. Et? De village en village. Pour faire quoi? Prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu. Et où étaient les apôtres? Les 12 disciples étaient auprès de lui avec quelques femmes. Oh! Ah! C'est la parole, ça, qu'il avait dit. Joël! Quand on me provoque, je dis ma folie augmente. Parce que mon Dieu doit être glorifié. Et les vrais enfants de Dieu doivent être éclairés. C'est ça. Toi, tu es assis comme ça sur ton ordinateur. Tu parles matin, midi, soir depuis des années. Tu ne fais que parler. T'as fait quoi? T'as produit quoi? Tout le monde est faux. Toi, t'es vrai. Toi, maintenant, t'es vrai. Mais nous dénonçons les faux pasteurs, nous disons qu'il y a des vrais pasteurs, et vous le voyez sur TV de Vie, ils viennent d'Allemagne, ils viennent d'ici et là, ce dimanche, il y a une émission avec des pasteurs français, blancs, qui vont venir pour témoigner la gloire de Dieu, tout ça là, qui arrive dès ce soir même, et il y a des vrais pasteurs qui sont là, que nous encourageons, on dénonce les faux, et on encourage les vrais, mais quand vous êtes assis sur votre fauteuil là, tout ça là, ici et là, vous ne faites que dénoncer tout le monde, même les vrais, vous les critiquez matin, midi, soir, parce que vous voulez que tout le monde soit conforme comme vous. Hein? C'est les journalistes. Alors, dites-moi maintenant, là, vous allez de ville en ville, comme le Seigneur a dit. Il a dit, allez dans toutes les nations. Il a dit, il n'a pas dit, asseyez-vous à vie et parlez depuis chez vous. Il faut aller prier pour les handicapés aussi. Ils ont besoin. C'est ça l'évangile. Voilà, nous prions,
Nous enseignons étant assis, nous dénonçons étant assis, étant debout, et nous allons de pays en pays, de ville en ville, de village en village, pour annoncer l'évangile de Christ. Et vous voyez les frères et sœurs qui ont reçu la vérité, qui ne prient pas forcément avec nous, mais qui vont de ville en ville, de parc en parc, pour annoncer l'évangile. Voilà. C'est ça l'évangile. Nous, on n'est pas là pour aller aussi dénoncer les gens qui sont morts. C'est quoi cet évangile? Vous dénoncez les prophètes qui sont morts alors que vous ne les avez même pas approchés. Ils sont morts parce que les gens les ont critiqués et ça y est, ils sont devenus faux prophètes. C'est la confusion totale, mes amis, la confusion totale aujourd'hui des ministères d'Internet qui ne vont pas sur le terrain. Nous, avant Internet, moi j'allais sur place depuis 86. Je veux de terrain en terrain depuis 86. C'est ça l'évangile. Il y en a, ils ont commencé seulement sur Internet, ils sont ministres sur Internet. Voilà. Même pas 5 ans. Et ça encourage la masturbation, et ça encourage, ça fait des fêtes de l'évangile. C'est des hommes publics, des masturbateurs, hein, qu'ils soient noirs ou blancs, tout ça là, arabe ou chocolat marron. Moi, je dénonce tout ce monde. En même temps, j'encourage les vrais chrétiens. Amen. Voilà. C'est ça l'équilibre. Mais il y a des gens, ils n'ont pas d'équilibre. Ils vont finir même par dénoncer bientôt, comment dire, par critiquer même Gabriel bientôt. Là. Hein? C'est la confusion totale. Parce qu'on ne veut pas faire des montages de leur propre vidéo, leur propre confusion pour les diffuser. C'est la bassesse. Vous voyez, frères et sœurs, les chrétiens sont délivrés, les cancéreux sont guéris, les sidéens sont guéris, les gens sont délivrés. Ça, c'est l'évangile. Le retour à la parole, c'est le retour à la vie qui émane de la parole de Dieu. À l'heure même, on a quelqu'un en ligne, hein, je crois. À l'heure même, nous dit le Seigneur, hein, à l'heure même, on va prendre la personne après ce passage. Hein, à l'heure même, qu'est-ce que la parole nous dit? Chrétiens, ne suivez pas les gens qui sont assis sur leur fauteuil chez eux, dans leur bureau ou dans leur salon, salle à manger, et qui ne font que parler des autres. Et qui, un homme de Dieu doit plus enseigner, parler de Jésus-Christ que parler des autres. Nous dénonçons et nous enseignons plus sur Jésus. Amen. Voilà, c'est ça l'équilibre. Si sur un site, il n'y a que des affaires des autres, là, il n'y a pas Jésus-Christ, s'il n'y a pas plus d'enseignements sur Jésus, quittez ce site-là. C'est la sorcellerie, c'est la distraction. Voilà. Et comme beaucoup d'Africains aiment les théâtres de chez nous, ils aiment les sketchs, et ben, les palabres, comme on dit, ben, ils ont remplacé ça par les palabres. Voilà. Ce sont des gens qui les amusent. Hein, donc, voilà. Donc, et frère, la parole nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités. Il guérit plusieurs personnes de maladies et d'infirmités. Et les esprits malins. Et les esprits malins. Étaient quoi? Chassés. Ah oui. Et il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Il a fait tout ça. À l'heure même, voilà le message. Voilà la justification. Nous, on n'est pas là pour nous juger matin, midi, soir. Paul, quand on le critiquait, Paul, parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il disait aux gens, il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'on prenne des sœurs pour la mission ici et là, hein, comme s'efface, comme tant d'autres. On ne peut pas le faire. Paul, parfois, il devait dire les choses clairement. Ce n'est pas pour se justifier charnellement. Il y a aussi la vérité qu'il faut rétablir de temps à autre. C'est biblique. Voilà. C'est biblique. Frères et sœurs, fermez la bouche aux détracteurs, aux faux. Et là, on nous dit à l'heure même, ça c'est la belle réponse. Amen. C'est le mont Carmel. Amen. Le mont Carmel. Parce que ceux qui justifiaient la messianité de Jésus-Christ, hein, une des choses qui justifiait sa messianité, c'était la délivrance. Parce qu'on l'appelle le sauveur. Un sauveur qui ne guérit pas, ce n'est pas un sauveur. Un seigneur qui ne domine pas sur le péché n'est pas un seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit quoi? La suite? Ensuite, Jésus leur répondit et leur dit, allez et rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez et rapportez à Jean. Donc, l'évangile, c'est le fait d'entendre la parole de Dieu. Et c'est le fait de voir les œuvres de Dieu. C'est ça. Oh, alléluia. Il y en a qui disent, oh, mais la Bible dit qu'il ne faut pas marcher par la vue, par la foi. Non, ce n'est pas la même chose là. Non. Non. Les disciples de Jean-Baptiste ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils ont entendu des choses qu'ils n'avaient jamais entendues, comme les huissiers que les pharisiens avaient envoyés pour arrêter Jésus-Christ. Ils ont dit, nous jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça ne sert à rien d'envoyer vos disciples, parce que vos disciples vont se convertir. Je vous dis. Donc, c'est biblique,
les guérisons que Dieu opère, c'est biblique, les conversions que Dieu fait, les baptêmes, tout ça là, c'est biblique. Voilà. Donc dites à vos gens, dites aux gens qui parlent seulement de la parole et qui ne produisent pas les œuvres, dites-leur, mes amis, ce n'est pas la Bible. Voilà. Donc s'ils disent que oui, mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles, mais ça c'est l'époque de Jean-Baptiste, il était sous la loi. Le Seigneur a dit dans Jean 14, 12, hein? Allons lire cela. On a quelqu'un en ligne, on va prendre la personne. Ok. Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes que celles-ci. Mais quelles sont les œuvres qu'il a faites? Il dit parce que je m'en vais au Père. Mais le Seigneur a fait toutes ces œuvres-là. Il a ressuscité les morts. Mmh. Il a guéri les malades. L'évangile était annoncé aux pauvres. Il a nourri les gens. Mais c'est ça l'évangile. Tout ça, c'est miraculeux. Voilà. Alors, dire que non, on ne veut pas suivre les miracles, faut pas. Mais c'est la jalousie. Les gens vous connaissent déjà, ils savent. La jalousie, c'est tout. Voilà. Donc, nous bénissons Dieu. Une personne malade depuis des années que Dieu a guéri. Que Dieu soit béni, c'est une grâce. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, on va dire, non, Matthieu 7 nous dit que plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais arrêtez, mes amis. Le Seigneur a dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché, je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens que le Seigneur n'a jamais connu. Satan se sert d'eux pour produire des miracles mensongers. Mm-hmm. Ça, on est d'accord, c'est la parole. Mais il ne faut pas non plus, s'il y a la fausse monnaie, il y a aussi la bonne monnaie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que la mauvaise monnaie. Les gens qui ne font voir aux gens que la mauvaise monnaie, hein, la fausse monnaie, pardon, eh ben, ne sont pas de Dieu. Si, il faut parler de la fausse monnaie et parler de la vraie, plus de la vraie monnaie. Si les gens ont la vraie monnaie, quand la fausse monnaie viendra, ils vont faire le discernement, ils vont discerner plus facilement. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, allô, allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, je peux parler un peu plus fort. Vous m'entendez mieux? Très, très bien. Oui, bonsoir, Frère Chora. Oui, j'appelle depuis l'Allemagne, en fait. Oui, je suis très, très béni, très édifié par vos enseignements, en fait, par l'inspiration que l'Esprit de Dieu vous accorde chaque jour. Nous sommes très, très bénis de ce côté. En fait, récemment, j'ai eu une vision vous concernant, en fait. Et j'aimerais tout simplement, parce que ça a un lien avec l'émission et le sujet actuel, vu vos déplacements aussi au Gabon, le Seigneur m'a fait grâce, en fait, de vous voir, en fait, accompagné avec le serviteur de Dieu, le prophète Docteur Owa, en fait, de sans notion, de sang sur moi. Ça, je panique, en fait. Et il y avait tellement de gloire, il y avait beaucoup de puissance qui vous accompagnait avec ce prophète, au fait. Et c'était dans les stades. Et je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit, alors j'ai pris 3 jours de jeûne, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre, au fait, votre élévation. Au fait, j'ai compris que ce n'est pas fini, au fait, ce que Dieu est en train de faire avec vous. C'est grand, c'est merveilleux, c'est glorieux, au fait. Au fait, ne vous limitez pas à ce que les gens disent, au fait. Parce que vous êtes loin. Vous êtes plus loin que vous ne le pensez, quoi. Sur toi. Oui, vraiment. C'est une source d'encouragement pour nous. Amen. Ouais. Ça a toujours été une source d'encouragement, justement. Oui. Pour davantage... Vous êtes accompagné du docteur Howard et il y avait tellement de puissance. J'ai regardé vers le ciel et Dieu m'a dit, regarde vers le ciel. Parce que je me posais des questions dans la vision de savoir d'où venait cette puissance, au fait. Il y avait beaucoup de puissance qui émanait de quelque part. Et Dieu m'a dit, regarde vers le ciel. Et vous deux, il y avait tellement de puissance qui descendait sur vos têtes, quoi. C'est tellement grand. Et à côté, j'ai vu des stades, au fait. Et vous étiez dans cette dimension-là. Et j'ai béni le nom du Seigneur, au fait, parce que Dieu ne fait que confirmer sa parole parce qu'il est en train de faire, quoi. Au travers de vos... Je vous dis, vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a montré clairement que j'allais avoir affaire aux faux pasteurs, aux faux prophètes. C'est pour cela, quand on fait de telles émissions, hein, c'est pour montrer aux frères et sœurs que nous prenons position pour la vérité et nous devons défendre la vérité et élever Jésus-Christ de Nazareth afin que les chrétiens soient éclairés.
Voilà. Donc, merci en tout cas pour l'intervention du frère. Et Dieu est fidèle. Voyez, mes amis, à l'heure même, le Seigneur a guéri. Et il a dit qu'on va faire plus que lui. Notre message, c'est de dire, Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort et ressuscité. Il revient rapidement. Mais nous allons bientôt partir, frère. Nous croyons à ces choses-là. Et il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. D'accord? Et nous croyons que ce que les Paul, Pierre, Jacques et Jean ont vécu, nous pouvons les vivre aussi. C'est-à-dire le réveil tous les jours. Hein, des frères et sœurs qui sont encouragés, qui craignent Dieu. Des nations qui sont touchées. Des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, et des morts qui sont ressuscités, des lépreux qui sont purifiés. Nous croyons à ces choses. Et Dieu, n'est-ce pas, est vivant. Gloire à Dieu. Martin, je sais pas si tu as quelqu'un qui a une question à poser, je sais pas, ou d'autres personnes à appeler. Donc, nous n'élèvons pas les miracles, mais les miracles sont nos accompagnateurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Chasseront les démons. Donc, un pasteur qui ne chasse pas les démons, c'est un pasteur suspect. Il n'a pas cru. Qui est suspect. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'est normal que dans une assemblée, que dans les assemblées, que les gens qui viennent nouvellement, que les démons soient chassés. Quand on va dehors, qu'on chasse les démons, c'est normal. Il dit... Ils boiront des breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils saisiront des serpents hein, au niveau de leur queue et ils ne seront pas, n'est-ce pas, morts. C'est biblique. Paul a fait cela. La Bible dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Acte 19. C'est biblique. Et Paul a travaillé dans Acte, dans Éphèse. Pendant 3 ans, donc pendant 3 ans, les gens, pendant 3 ans, Joël, venaient confesser publiquement leurs péchés. Pendant 3 ans, c'est biblique. Donc c'est biblique qu'il y ait des confessions publiques. Donc dans une église, il n'y a pas de confession de sorciers. Quittez-la, vous allez être envoûtés. Quittez-la, je ne me tairai jamais. Quittez-la. Dans une église où il n'y a pas de confession publique des sorciers, des impurs, des adultères, cela veut dire que c'est un nid de poules, de serpents. Je vous dis, quittez-la, même si ce sont les églises que nous avons implantées hier. Quittez. Ben oui, là où il y a la présence de Dieu, les gens sont convaincus du péché. Amen. Regardez 1 Corinthiens 14. La Bible dit quoi? Si dans une assemblée de l'église, tout le monde prophétise et qu'il entre quelqu'un du commun peuple, les secrets de son cœur seront dévoilés. Et tomba par terre, visage par terre, il dira, Dieu est réellement parmi vous. Mais s'il n'y a pas ça, Dieu n'est pas là. Nous ne cherchons pas ces choses-là, nous cherchons Dieu. Et Dieu, quand il vient, ces choses-là se manifestent. Ça devient une vie naturelle, normale de l'église. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que les serpents sont assis. Priez même pour que vous savez, pour savoir si votre pasteur n'est pas un sorcier, si c'est sa femme que vous suivez n'est pas une sorcière. Moi, je parle, je dis tout. Voilà, je peux parler parce que personne ne me donne un salaire. Je peux parler parce que mon Dieu m'a dit qu'il faut parler. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Je suis à TV de vie. Oui, on vous êtes en direct. Ah, d'accord, ok. En fait, je voulais intervenir par rapport à l'émission. D'accord. Oui. En fait, c'est par rapport au miracle, tout ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom parce que la personne ne se gêne pas. Quand la personne veut dénoncer, la personne dénonce. Non, c'est pas la peine de citer son nom parce que ce serait trop lui donner de l'importance. D'accord. Bon, et la dernière fois, franchement, j'étais choquée parce que c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui... Enfin, il y a des soi-disant pasteurs qui font des soi-disant miracles. Voilà. Mais aussi, il y a des hommes que Dieu utilise puissamment pour faire des miracles. C'est biblique. Donc, quand vous dites que... Quand la personne dit que tous les miracles... Parce que moi, c'est ce que j'ai compris par rapport à l'émission... Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Je trouve que c'est la personne blasphème, franchement, contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème total parce que Jésus, il a guéri, il a fait des miracles et il a dit, les signes vont accompagner ceux qui croient en lui, en son nom. Voilà. Voilà. Donc moi, j'essaie de faire m'assurance que si tu crois en Christ et par la puissance de Dieu, un homme de Dieu peut guérir, il peut délivrer par la puissance de Dieu. Je crois à cela. Amen. Après, moi, je le suivais parce que je ne connaissais pas TV de vie. Mais j'ai vu que c'était que des dénonciations. On dénonce. Mais il n'y avait pas d'enseignement. La personne qui ne connaît pas le Seigneur va s'asseoir. Il va écouter. C'est comme un journaliste, quoi. Ceux qui font les chroniques. Voilà. Voilà.
voilà, un chroniqueur. Tout c'est un chroniqueur. Voilà, c'est ça. Père, moi, c'est un chroniqueur. Un païen peut le faire mieux que lui. Un païen peut faire ça mieux que lui. Ça dit, il s'assoit. Il va aller jusqu'à interviewer même ces personnes-là. Il va le faire mieux que lui. Mais ça n'édifie pas les enfants de Dieu. Amen. Derrière ça, il faut un enseignement. Derrière ça, il faut. C'est pas parce qu'il y a des faux que ça va annuler le vrai. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée. C'est pas parce que le faux n'annule pas le vrai. Voilà. Voilà. Faut savoir faire la part des choses. Faut pas faire croire aux enfants de Dieu que Christ ne guérit plus et que le mot onction, c'est genre, c'est rien quoi, c'est seulement le Saint-Esprit. Voilà, onction, comme vous entendez, onction, c'est seulement le Saint-Esprit. Franchement, l'émission m'a choqué et mon mari m'en a décidé vraiment de ne même plus jamais suivre. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, au lieu de. Les gens pensent que en nous attaquant comme ça, ils vont détourner les gens pour plus les suivre, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils renforcent. Avant de suivre TV de vie, moi, le Seigneur m'a. J'ai vu un songe, mais c'est trop long. Je ne sais pas si je pourrais vraiment avoir l'occasion de d'expliquer le songe que j'ai vu par rapport au Fréchura. Franchement, ça a changé ma vie. Gloire à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, j'en tremble par rapport à mes songes que j'ai vus. Gloire à Dieu. J'en tremble. Le dernier songe, je vais être bref. Le dernier, c'est qu'il y avait une guerre. Mais c'était une guerre entre chrétiens, je vais dire. Parce que les païens étaient là qui nous assistaient pendant la guerre. Et des pasteurs, des faux pasteurs, je voyais qu'ils traquaient tout. Tous les frères et sœurs de TV de vie, je vais dire, parce que j'ai vu, je vous ai vu, le frère Chora, je l'ai vu. Il était là, il était ligoté, il était ensanglanté partout, il pouvait pas bouger. Et je dis, mais Seigneur, il ne faut pas le tuer quand même, parce que cet homme, il est dans la vérité. Mais pourquoi est-ce qu'il est en sang, tout ça? Et après, je vois un soi-disant pasteur qui venait, et puis il disait, ben, on ne peut pas l'avoir parce qu'il a quelque chose en main. Ce qu'il a en main, là, c'est qu'on ne peut pas l'avoir. Oh, si seulement on pouvait avoir ce qu'il avait en main. En fait, ce que vous aviez en main empêchait de pouvoir vous avoir, mais vous étiez vraiment blessé. Et tout le monde fuyait, et vous avez dit aux chrétiens, Restez jusqu'au bout, même s'il doit vous blesser, restez jusqu'au bout, résistez. Et voilà. Donc, moi, je marchais comme ça, j'étais avec une amie qui ne connaissait pas le Seigneur. Et j'étais là, c'était comme un peu sur le chemin de les deux disciples qui parlaient de Jésus. Là. Comment on appelle ça voilà, qui parlaient de Jésus. Et puis après, Christ est venu auprès d'eux pour dire, ben, ils n'ont pas reconnu en fait. Donc, mon ami et moi, on marchait. Et puis je me plaignais, dis, mais Seigneur, ils l'ont eu, ils l'ont blessé. Et Christ était devant moi, il me dit non, ils l'ont eu, ils l'ont blessé, mais ce qu'il en met, avec ce qu'il en met, personne ne peut l'avoir. Personne, ils vont le blesser, mais personne ne peut ôter sa vie. Amen. Et après, le Seigneur m'a demandé, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? J'étais choquée. Bon, bref, je ne vais pas aller loin. C'était un songe comme ça. Donc, je suis convaincue que ce réveil, franchement, je plains ceux qui ne sont pas dans ce réveil, vraiment, c'est dommage. On prie pour eux, surtout cet homme-là. On prie beaucoup pour lui parce que je pense qu'il est vraiment à côté de la plaque. Quoi. Malheureusement, il ne peut pas cuire quand c'est comme ça. Oui. Voilà. Et en plus, il se permet de dire qu'il y a Dieu qui est assis sur un trône et il y a Jésus à la droite. Mais franchement... Il y a deux personnes sur le trône. Ça, c'est vraiment... C'est le pompon. Voilà, c'est le pompon. Alors que le grec, quand dans Actes des Apôtres, acte 7, quand Étienne dit... qu'il voit Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Oui. Le mot grec, là, debout. C'est pour cela que les enseignements qu'on va faire de plus en plus, on va vous montrer. Mais ces enseignements, je les ai tous suivis. Hein. Voilà. Quand on dit debout, c'est pas debout, c'est pas... Jusqu'à l'Apocalypse, ça parle de Christ, mais il faut vraiment être... Voilà. Même un aveugle, un sourd peut comprendre quand même. Quand on n'est pas de Dieu, on ne comprend pas, c'est normal. Mais c'est hallucinant. Lui, il s'est assis à la droite de Dieu, mais attends, la personne voit ça sur le plan Chanel. Hein. Voilà. Mais c'est complètement... C'est comme... spirituel du tout. Qui fait tout dans la chair. Tout est charnel. Tout est charnel. C'est comme quand le Seigneur dit, quand la Bible parle des images, hein, des bêtes, tout ça là, dans l'Apocalypse, eh ben, alors que c'est des individus, hein. Comme quand dans Daniel, Nebuchadnezzar voit une statue, alors que c'est pas la statue physique comme ça, même mais si voilà. Lui il a fait une statue physique ensuite. Parce qu'il n'a pas compris la vision, mais c'est des royaumes. Donc, la Bible utilise des images comme ça. Il y a une interprétation allégorique que l'on peut faire aussi de certains passages de l'écriture. Et les gens comprennent, tout est mélangé parce qu'ils sont tout simplement pas convertis, ils sont charnels, ou ils sont carrément de l'ennemi. Et en tout cas, merci pour ton intervention. Ils habitent la Bretagne, et voilà. Voilà. Il y a des conférences
quand il y a des réunions de réveil, tout ça, des fois on va à Nantes, mais quand il y a des réunions de réveil, on fait le déplacement sur Paris, ma famille, moi. Franchement, depuis qu'on suit ce mouvement, ce réveil-là, on a... Non, il n'y a rien à dire. Franchement, j'espère que j'aurai l'occasion un jour de vraiment témoigner de tout cela. Que Dieu soit béni, merci. Amen, au revoir. Voilà, au revoir. Donc, il y a certains noms, on ne va pas les citer ici parce que je pense que Yana va faire la pub et surtout... S'ils veulent être confrontés, eh ben, on va leur envoyer des frères qui sont convertis il y a 6 mois et qui sont enseignés et qui vont leur donner les affirmations, les bases. Voilà, parce que on n'a pas vraiment le temps pour toutes ces niaiseries. Hein, donc voilà, c'est clair. Voilà, donc que le Seigneur, parce que les frères de convertis depuis 6 mois, frères et sœurs, ils sont tellement bien enseignés par le Saint-Esprit, hein, qu'ils vont pouvoir leur donner quelques bases. Et puis bon, s'ils veulent aller plus loin dans l'enseignement, il y a Didasco, c'est gratuit. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Donc voyez, frères et sœurs, Dieu travaille. Hein? Jean envoie les gens et les disciples et ils viennent, ils entendent autre chose. Et le Seigneur, pour couronner le tout, il leur dit l'évangile est annoncé aux pauvres. Voyez? Et gratuitement. Donc les disciples sont repartis, ils ont dit à Jean, Jean, j'imagine, hein? Non, laisse tomber. On a vu des choses. Hein? Une jambe plus courte qui s'allonge. Bon. De posséder comme ça les démons qui disaient, qu'y a-t-il entre nous? Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu avant le temps pour nous perdre. On a vu quelqu'un lépreux. En une seconde, même pas, la lèpre a disparu. On a vu une femme qui a perdu sa fille, son fils unique, pardon. Le cercueil comme ça, là, qui elle allait à l'enterrement au cimetière, tu sais qu'il y a au rond-point là-bas. Là. On a vu cet homme toucher le cercueil et dire, déposez-moi le cercueil par terre. Là. Ou enlevez-moi le couvercle, là, tout ça. Là. Oh, il a dit, lève-toi, jeune homme. Le jeune homme s'est levé. C'est lui. Jean, laisse tomber. C'est lui. Voyez, alléluia. Il dit Jean, n'aie plus peur. Même si on te coupe la tête, on a vu les gens ressusciter. Tu vas être ressuscité. Ne t'inquiète pas. Il est la résurrection. Aïe. Frères et sœurs, moi je suis très excité par toutes ces publicités gratuites. Hein? Ouh, Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon roi, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Alléluia. Oh, mes amis, les chrétiens ont vu clair. Dieu leur donne des songes et des visions. Ils ne peuvent plus être trompés. Le Seigneur a dit, personne ne peut séduire mes élus. Ah non, mes amis, personne. Personne. Ces entreprises vont faire faillite. Les miracles, c'est biblique, mais la vie chrétienne est une vie de miracles. De miracles, qui suis-je moi pour parler comme ça? Qui sommes-nous pour parler comme ça? Qui êtes-vous pour parler comme ça de Jésus-Christ de Nazareth? Si ce n'est pas le miracle de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais c'est un miracle. La parole qui sort, les choses se matérialisent. Mais vous lisez quelle Bible? Dieu qui s'incarne, mais c'est un miracle. La vie chrétienne est une vie de miracles tous les jours. Tous les jours. Les enfants d'Israël ont mangé la manne dans le désert. Mais c'est un... Vous avez vu le pain qui tombe du ciel. Mais c'est un miracle. Les nuages qui donnaient de la nourriture aux gens. Mais regardez la nature avant de prendre la personne qui est en ligne. Regardez les nuages, ça flotte. Mais il y a parfois, quand il y a l'orage, il y a des tonnes et des tonnes, des litres et des litres d'eau. Mais jamais les nuages ne tombent sur nous. Mais déposez seulement ce papier sur un nuage, ça va tomber. Mais les eaux de la pluie sont retenues. Il soutient même le nuage. Et c'est lui qui déclare. C'est pas Baal, le dieu de la pluie, qui déclare. C'est Dieu qui dit maintenant, pluie tombe. Voilà pourquoi pendant 3 ans et demi, il a envoyé à Élie. Il lui a dit pendant 3 ans et demi, pas de pluie. Il a retenu les eaux.
Ah non. Ça, c'est pas un miracle? La pluie qui tombe sur nous tout le temps là. C'est pas un miracle ça? Hein? La neige, ça tombe d'où? La neige. Ça vient d'où la neige? Vous avez vu, mes amis, les images, c'est des figures, c'est des. Vous avez vu, mes amis? Figures géométriques, c'est mathématique, mais c'est des miracles. La lumière du soleil qui met, mes amis, 8 secondes pour nous parvenir, qui fait, mes amis, plus d'un million de kilomètres pour arriver jusqu'à nous en 8 secondes seulement. 150 millions de kilomètres, la distance qui sépare le soleil de la Terre. Ça, c'est pas un miracle, ça? Tous les jours, le soleil nous éclaire. Mais tous les jours, on doit dire, Seigneur, quel miracle! Oh, les miracles ne justifient pas un appel. Mais tu es un sorcier? Repends-toi. Je comprends pourquoi tu n'as pas reçu l'onction quand on a prié pour toi. Un chrétien, un homme qui combat les miracles de Dieu n'est pas de Dieu. Parce que sa vie même est un miracle. Le fait qu'il dorme, qu'il respire en dormant, qu'il ne contrôle pas sa respiration, c'est un miracle. Je vous dis une chose. Vous savez que dans le corps humain, il y a la tuyauterie, il y a la plomberie, les veines, les artères. Ce sont des tuyaux de maison, comme les tuyaux de maison. C'est comme la tuyauterie. Les eaux qui coulent dedans, là, c'est le sang. Vous voyez? Et nous avons, mes amis, des robinets. On peut fermer, on peut ouvrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour aller uriner, robiner. Vous pensez que c'est l'homme qui a inventé les robinets, tout ça là? C'est Dieu. Hein? Nous avons aussi l'électricité en nous. Parce que le cerveau envoie des ondes, de l'électricité et tout ça là. Tout ça là. Ouais, tout ça là, Dieu est. Mais il y a tout. Il y a la mécanique. Vous voyez comment Dieu a soudé les os, tout ça là, avec les jointures, tout ça là. Mes amis, il y a la soudure. Hein? Ça marche très bien, les os, les phalanges, tout ça là, ça marche, tout ça là. Enfin, ça, il y a l'hydraulique, tout ça là. Hein? Cartilage, parce qu'il y a de l'huile. La graisse, pour nous protéger du froid. Hein? Il y a les poumons, tout ça là. C'est mes amis, vous vous rendez compte, mes amis, là? Hein? L'œil, avec les yeux, tu vois et le cerveau définit les couleurs. Amen. Il y a la photographie dedans. Hein? La puissance de pour mâcher. Quand on la puissance, mes amis, là, pour quand vous mâchurez tout ça là. Vous vous rendez compte, mes amis, pour broyer. Ben, c'est pareil quand vous allez quand on broie, mes amis, on fait du recyclage. Avec des quand on broie les véhicules dans les comment on appelle ça déjà, les casses. Hein? Il y a l'informatique, le cerveau. Hein? Dites-moi d'où sortent les ongles. Ça sort d'où? Si vous coupez vos doigts, vous n'allez pas voir la continuité des ongles. Hein? Quand on ouvre le cerveau, là, tout ça, là, la boîte crânienne, on ne voit pas, mes amis, l'origine des cheveux. Ça sort d'où? Et le Seigneur a dit, tous vos cheveux sont comptés. Ça, c'est pas un miracle, ça? Non, je parle d'abord de la nature d'abord, les choses naturelles d'abord. Là. Hein? Tu manges, l'estomac récupère la nourriture, va maintenant redistribuer toutes les vitamines à tous les organes. Les reins, ça prend, ça enlève toutes les toxines, tout ça là, ça enlève tous les microbes, ça purifie le sang, ça purifie les os, tout ça là, et les déchets sont rejetés par l'urine. Hein? Les vitamines sont gardées, les déchets sont rejetés. Et les vitamines te permettent de grandir, hein, pour les enfants, de travailler les os. Hein, tout ça, ce n'est pas des miracles. Hein. Vous êtes des satanistes, des sorciers, parce que vous ne reconnaissez même pas que Dieu, Paul dit, la nature même nous enseigne. Paul dit, le Seigneur dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Paul dit, la création, hein, la main de Dieu se voit à l'œil nu quand on la considère dans tous ses ouvrages. Donc vous êtes des sorciers. Voilà, je ne parle pas encore des miracles spirituels. Hein. Je parle seulement des miracles physiques. La lune qui se trouve à 400 km de la Terre, 400 000 pardon, à la distance exacte pour maintenir la Terre sur son axe, incliné comme ça, pour qu'il y ait les quatre saisons, pour qu'il y ait la vie également. La haute et la basse marée, tout ça là, c'est pas un miracle ça? La planète Jupiter qui a été mise dans un endroit là où il faut,
hein, pour protéger la terre, hein, des astéroïdes, tout ça là, qui peuvent nous frapper. Hein. Ça, c'est pas la puissance de Dieu, ça. C'est pas un miracle, ça. Non, moi, je veux, quand je regarde la nature, je veux voir la grandeur, je vois la grandeur de mon Dieu. Je dis à chaque fois, quel miracle. Les oiseaux qui chantent, qui roucoulent, les canards, les chiens qui aboient, les oiseaux qui chantent quand ils ont faim et Dieu leur envoie la nourriture. Les corbeaux qui pleurent parce qu'ils ont faim et Dieu dit, ah, voilà votre part. Dieu dit à Job, viens, je veux t'enseigner. Il dit, regarde l'hippopotame. Il dit, c'est la première œuvre. Hein? Regarde le lion. Regarde l'ours. Il dit, je t'enseigne sur la nature. Oh, chrétien charnel, faux prophète, faux chrétien, impudique, voleur, hein, jaloux. Je veux vous enseigner par la grâce de Dieu sur les réalités spirituelles, sur les choses physiques, pour que vous voyez à quel point la nature est remplie de miracles. Mes amis, nous sommes retenus sur terre par la pesanteur. Sinon, on tomberait dans l'espace. Même quand vous jetez comme je jette ce micro, ça retombe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la traction de la terre, hein, la gravité, la force de la gravité qui attire tous les éléments, n'est-ce pas, sur terre, pour les maintenir sur terre. Sinon, tous les objets s'envoleraient. Ça, c'est pas un miracle, ça? La puissance, le Seigneur dit dans Jérémie 31, qui a créé la loi de la nature? Oh, chrétien charnel, chrétien jaloux. Et quand on fait un AVC, on n'arrive plus à parler. Vous voyez, pour vous montrer à quel point l'homme est rien, à quel point parler, c'est une grâce. Marcher, c'est une grâce. C'est miraculeux. 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 L'homme peut réfléchir, l'homme peut parler, l'homme peut marcher, l'homme peut agir, l'homme peut... Il y a une coordination dans les mouvements des membres du corps. L'unité. Alors qu'il y a plusieurs organes qui composent un seul corps, le corps humain. Quel miracle. Mais c'est là qu'on rentre dans les miracles, tout ce qui est délivrance, guérison, conversion. Oh mes amis, la jalousie. Oh la fausse monnaie, ah la fausse monnaie, la fausse. Mais la vraie monnaie, elle est où? Elle est où la vraie monnaie? Oh non, mais la fausse onction. Mais vous savez que s'il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a l'équilibre. Il y a la nuit, il y a le jour. S'il y a des faux parlants en langue, il y a des vrais parlants en langue. S'il y a des fausses onctions, il y a une vraie onction. Il y a toujours ces deux réalités-là. Babylone, Jérusalem. L'équilibre. Voilà, c'est ça l'évangile. On a deux oreilles, c'est l'équilibre. On a deux yeux, c'est l'équilibre. Deux jambes, c'est l'équilibre. Voilà, c'est ça l'évangile, mes amis. Deux mains, c'est l'équilibre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, frère, vous pouvez parler. Oui, c'est bon. Oui, allô. Oui, allô. N'écoutez pas votre ordinateur. Vous pouvez parler. D'accord. Je dois baisser. Non, vous pouvez parler s'il vous plaît parce que là, sinon on va perdre du temps là. Oui, allô. Bonsoir, frère Choura. Je tiens déjà à remercier Dieu pour la façon qu'il est en train de vous utiliser. Parce que je peux vous dire que, en fait, d'une façon ou d'une autre, votre message m'a beaucoup édifié en toute chose. J'ai deux questions. Une question au niveau surtout de ce soir et une question qui est en dehors que je voulais aussi avoir un peu d'éclaircissement. Et au niveau de ce soir, quand on parle de miracle, je sais que beaucoup des endroits dans la Bible où est-ce qu'on est éclairé, mais je voudrais savoir en fait, je sais que souvent Dieu, même dans Matthieu, même dans Jean 9, là où il parle que il dit que voilà, est-ce que cet homme est né d'une telle façon, il y a des maladies vraiment qui sont uniquement faites pour glorifier. Mais d'une part, comment se fait-il que le diable, étant le malin qui donne la maladie, parce que c'est lui souvent qui attaque, et en même temps, les élus, ceux qui prétendent qu'ils sont des enfants de Dieu,
et qui sont encore guéris et que le diable encore donne le pouvoir de guérir. En fait, lui-même, en fait, il occupe des choses en une seule phase. Voilà. En un premier temps et en deuxième temps. Ah, j'ai pas bien compris la question, mais bon. Ouais. En deuxième temps, j'ai été chercher dans le message, même en 2006, et selon Genèse 14, et j'ai pas compris pourquoi Abraham a donné ses dîmes directement à Dieu. Je voudrais un peu d'éclaircissement, si possible, dedans. Ok, donc je vais commencer par répondre à la deuxième question. Et Abraham a donné la dîme directement à Dieu, donc Melchizedek, qui est chaud, hein. Et tout simplement parce que tout revient au Seigneur, tout est à Dieu. Et donc par ce geste-là, Abraham a eu à manifester sa reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, parce que il venait de sortir d'une grande guerre, il venait de remporter une grande victoire. Et Abraham, par ce geste, parce qu'il a donné la dîme sur le bulletin de la guerre, donc il a voulu simplement dire par ce geste que Dieu est celui qui m'a accordé la victoire. Donc voilà, comme tout vient de Dieu, donc Abraham a eu simplement à le confirmer. Et voilà, donc cette dîme-là, ben, il a payé une seule fois, on n'a pas en fait une doctrine. Elle est devenue une doctrine sous la loi de Moïse, et aujourd'hui, depuis la croix, on n'a pas à la payer. Et maintenant, par rapport à la première question, je n'ai pas bien compris, mais je vais quand même essayer de répondre. D'accord, oui, je peux le mettre simple en un volet. Par exemple, souvent, par exemple, quand on prie, on demande à Dieu de nous éclaircir sur une personne qui est malade. Et parce qu'il y a des, comme on dit souvent, il y a des maladies qui sont, voilà, il y a des maladies que Dieu ne veut pas guérir tout de suite. Et comment on peut faire? Dieu veut guérir toutes les maladies tout de suite. Et maintenant, s'il n'y a pas de guérison tout de suite pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a une raison précise ou des raisons précises que Dieu seul sait, ou des personnes elles-mêmes. Voilà. Par exemple, on voit Paul dit qu'il a laissé Trophime malade. Il avait certainement prié pour lui. Et il n'y a pas eu toute la guérison parce qu'il y avait une raison. Donc, mais sinon, Dieu veut guérir toutes les personnes tout de suite, tout le monde. Et voilà, déjà par la guérison, avec l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a déjà tous guéris. Hein, par ce meurtrissure, nous sommes guéris ou nous avons la guérison. Donc, voilà. D'accord. Voilà, frère. En tout cas, bon courage. Et. Le Seigneur est clair, la Bible est claire, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, vous qui nous suivez. Et nous avons voulu ce soir encourager les enfants du Seigneur, encourager les chrétiens à persévérer, à défendre la vérité par leur vie de sainteté, de sanctification. Effectivement, la sanctification est un miracle. Le fait de haïr le péché, le fait de ne plus courir après les femmes alors qu'hier on le faisait, et c'est un miracle. Donc la transformation que je vois auprès des frères et sœurs, hein, qui étaient des délinquants hier et qui sont transformés aujourd'hui, c'est des miracles. Des couples qui étaient au bord du divorce et que le Seigneur a restauré, c'est des miracles. Donc l'évangile même est un miracle. Le fait de prêcher la résurrection, parce que Paul dit quoi, 1 Corinthiens 14. Voilà, donc voyez bien que les gens sont possédés. Ceux qui disent qu'il faut pas suivre les miracles, ils sont tout simplement possédés, parce que les miracles que Dieu opère, tant les conversions que les guérisons divines, les dépassent tellement que la seule chose qu'ils trouvent à faire, comme ils n'arrivent pas à produire ces choses-là, c'est faites attention, c'est Satan, c'est le diable. 1 Corinthiens 15, le verset, à partir du verset 18. À partir du verset 15. Pardon. Je vais à partir du verset 12, 13, excuse-moi. Voilà, merci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi certains Corinthiens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts? Parce qu'il était inconcevable pour un juif, pour un grec, de croire. Que les Grecs croyaient en l'immortalité de l'âme, mais ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle. D'accord? Parce que c'était, d'ailleurs, Paul à l'aéropage, quand il arrive à l'aéropage et qu'il a commencé à enseigner tout ça, là, les gens étaient intéressés. Mais dès qu'il a touché à la résurrection, les Grecs ont dit quoi? Nous allons t'entendre là-dessus un autre jour. Parce que c'était un miracle impossible pour les Grecs. Parce qu'aucun dieu grec n'a pu le faire. Tous les philosophes étaient morts, il n'y en a aucun qui était ressuscité. Qui avait été ramené d'entre les morts? Zeus, Socrate, tout ça, Aristote, tous.
Et Paul dit ici, mais pourquoi vous ne croyez pas en la résurrection? Donc c'est le plus, un des plus grands miracles que nous prêchons tous les jours. C'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors quand un prédicateur, quand un chrétien, quand un pasteur ou un prophète ou un apôtre dit qu'il ne faut pas suivre les miracles, que les miracles, tout ça, ça n'existe pas. Mais il est en train de vous montrer par son comportement, par sa propre déclaration, qu'il est soit, il n'est pas enseigné, donc il est incompétent, il est immature, ou soit il est du diable, parce que le diable n'aime pas les miracles que le Seigneur opère. C'est pour cela qu'il essaie d'imiter. Vous voyez, les magiciens de Moïse, de Pharaon. Quand Dieu envoie Moïse, il l'a envoyé avec quoi? Il n'a pas envoyé Moïse avec les blablabla. Il a dit, tu as quoi en ta main? La sœur disait, j'avais quelque chose dans ma main. Là. Mm-hmm. Ah, le bâton. Mm-hmm. Alléluia. Frères et sœurs, les magiciens de Pharaon ont copié jusqu'au troisième miracle. Ah, oui. Il y aura un enseignement sur les magiciens de Pharaon. Mm-hmm. Arrivé au quatrième miracle. Ils ont essayé. Ça a coincé. Ils ont mis de l'huile, de la graisse. Peut-être, je ne sais pas. Ça a coincé. Ils ont dit là. Ils ont reconnu. Ils ont dit là, c'est le doigt de Dieu. Les sorciers. Mais les sorciers reconnaissent. Vous voyez? Donc il y a des choses que les gens n'arrivent pas à copier. Donc du coup, ils disent, parce qu'on n'arrive pas à les produire, c'est le diable. Le diable est plus fort que Jésus. Les miracles, la résurrection. Paul dit au verset 19. Verset 19. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Et voilà. Au verset 14, il dit 13. Car s'il n'y a pas de résurrection, de mort, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi vaine. Est vaine. Ça veut dire quoi? La prédication de l'évangile et la foi chrétienne, ces deux choses-là sont basées sur la résurrection de Jésus-Christ. Or, la résurrection est un grand miracle. Amen. Parce que Job, Abraham, tous ces prophètes disaient à Dieu, qui peut nous ressusciter? Si Christ n'était pas ressuscité, Pierre n'allait pas continuer. Jacques n'allait pas continuer. C'est parce qu'ils l'ont vu ressusciter qu'ils ont eu le courage. Qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a dit quoi? Ne crains rien. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quel est le nom du Dieu, le démon que les Grecs et tous les hommes crient le plus? Le Dieu Hadès. Et qui c'est qui a vaincu Hadès? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre maître. Oh Jésus. Non, la parole. Oh, la parole. Il a tétanisé, il a terrassé Hadès. 1 Corinthiens 15 nous dit, oh Hadès, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Jésus de Nazareth. Ah, chrétien, avançons. Allons de l'avant. Marchons, main dans la main. Le maître arrive. Les saints, les vrais saints se préparent. Les consacrés, les élus, les justes, les sanctifiés sont debout. Les soldats, les soldates, les guerriers, les guerrières, les prédicateurs, les gens qui annoncent le retour de Yeshua, les hommes, les ministères, les prédicateurs, les serviteurs qui ont le manteau. Alléluia. Ils défendent la vérité. Ils défendent la vérité de la parole. Ils prêchent le royaume de Dieu. Et le Seigneur les accompagne. Le Seigneur permettait qu'il se fasse des miracles. C'est ça l'évangile. Dieu n'a pas changé. Il travaille jusqu'à présent. Et ses enfants travaillent aussi jusqu'à présent. Et les œuvres qu'il a préparées d'avance, nous rentrons dedans. Que Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié, frères et sœurs. Soyez fortifiés, encouragés. Debout pour la parole. Debout pour le Seigneur. Bénissons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent. Mais nous ne nous arrêtons pas. Avançons. Voilà la ligne. Voilà la ligne de conduite. Avançons. Marchons. 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 Le maître est devant. Est devant. Frères et sœurs, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ceux qui ont fait, ceux qui ont crucifié Jésus, c'était les religieux.
Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Magnifique Seigneur. Lundi, programme de réveil. Ce dimanche, nous sommes à Orléans à partir de 13h. Toutes les informations sont sur TV de vie. Soyez fortifiés, encouragés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, frères et sœurs. Et merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vous garde en tout cas à jamais. Ne craignez pas pour nous. Dieu nous garde, il nous gardera. Mais nous n'allons pas nous taire dans ce temps difficile, dans ce temps de confusion, dans ce temps où chacun veut bâtir son empire. Nous ne voulons pas, mes amis, que les enfants de Dieu soient de la distraction. Avançons. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, Jésus, digne est l'agneau, tu es saint, saint, saint. Magnifique Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble? Alléluia. Oui, Joël. J'ai vu le royaume de Dieu qui était descendu ici. Le royaume qui était descendu. Descendu parmi nous. Alléluia. Et ça a confirmé ton message en fait. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Le royaume en fait. Amen. Le royaume avance avec les enfants de Dieu. À dimanche sur Orléans, 13h. Gloire à Dieu. Merci.